question qui traverse donc tout le roman et qui revient aussi un peu, Marc Lavoine, dans le vôtre de livre. Est-ce que l'on peut échapper à ce destin familial de la névrose que l'on transmet comme ça de génération en génération? Quelle est votre réponse après avoir écrit ce roman, Justine Lévy? Moi? Oui, vous. Excusez-moi. Non, mais je pensais que vous étiez passé à. Ah, non, non, je ne passe pas. Et je reste un peu sur vous. Je vais faire un tour chez Julia César. Qu'est-ce qu'on transmet de ces névroses? Plus exactement, est-ce qu'il est fatal que l'on transmette ces névroses personnelles, ou est-ce qu'on peut enrayer le tir? Déjà, moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'appeler ça se reproduire, faire des enfants, parce que c'était plus. Ah oui. Je trouve que. Enfin, voilà, déjà, si on peut changer le mot, je ne sais pas qu'il faut s'adresser. Mais enfin, déjà, on peut cesser de l'utiliser, ce mot-là, se reproduire. Et j'espère que se reproduire, c'est pas reproduire tous ces trucs qui nous regardent pas et qui n'ont pas été réglés il y a 3 siècles. Mais je sais pas si on peut enrayer. J'essaye en tout cas de pas, quand je vois ma fille sourire ou quand je crois voir le fantôme de ma mère dans les yeux de mon fils, j'essaye de pas y voir les fantômes de tout ce que j'essaye de pas leur transmettre. Je sais pas. J'espère pas. J'essaye de pas leur transmettre ça. Je n'ai pas la réponse à ça. C'est l'objet de tout le livre. Je ne sais pas si c'est possible. Vous l'avez activé, là, en ce moment, le bouclier anti-tristesse? Non, mais là, ça va très bien, là. Vraiment, ça va. Je n'ai pas tellement à me forcer pour être gay. C'est vraiment la chose que je préfère au monde, c'est rigoler. Ça ne se voit pas tellement dans mes livres, parce que quand je... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Encore que non, si, il y a beaucoup d'humour dans celui-ci. Oui, il y a de l'humour, mais c'est parfois de l'humour un peu grinçant, etc. Mais moi, dans la vie, ce que je préfère, c'est rigoler. C'est quand je me mets en face de mon ordinateur pour écrire, c'est plutôt des choses tristes qui me viennent teintées d'un peu d'ironie et d'humour, parce que je trouve que si on peut rire des choses, c'est la moitié du chemin est faite vers la guérison et vers la gaieté. Mais je réserve plutôt les choses sombres au roman, et il me reste la gaieté, là, dans la vie, tous les jours.